Ce que l'impro a apporté dans ma vie, avant tout, c'est le plaisir immédiat ressenti par les jeunes qui font de l'improvisation. On voit pour tous ces collégiens qui sont dans un moment de transformation de leur vie, à quel point est-ce qu'ils prennent du plaisir à être eux-mêmes et à être avec les autres. L'improvisation théâtrale leur permet d'être en contact avec le plaisir de l'oralité, de la parole, d'être mieux avec eux-mêmes, la confiance en soi, la capacité à développer son imagination, la capacité à développer sa curiosité, évidemment, hein, parce qu'on parle des auteurs, on aborde des atmosphères, des époques différentes. On est mieux avec soi-même parce qu'on se fait des amis quand on fait de l'improvisation théâtrale. Et puis, on est mieux avec les autres. Donc on apprend à écouter les autres, on apprend à respecter les règles, on est mieux avec l'autre genre puisqu'on joue et on se raconte des histoires forcément avec les garçons et les filles. La mixité d'âge, la mixité de territoire, la ruralité rencontre l'urbanité, le nord rencontre le sud, les accents se mélangent et il y a ce voyage à la fois physique et psychologique vers l'autre.